bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gamik, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, merci de demander. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer? Que vous êtes des grands malades. L'épisode 19 a été accueilli, c'est tout simplement la meilleure performance sur 24 heures. C'est la vidéo qui a le plus de vues en 24 heures sur ma chaîne. Je pensais que les quêtes annexes et la balade dans le monde, ça allait pas vous plaire. Et bah finalement non, je me suis complètement trompé. Donc vous aimez être chill, tranquille, et ça me fait super plaisir, ça permet à Baldo d'être mis en avant. Et Baldo se roule de joie, vous voyez. C'est super, merci à vous, à toutes ces vues, tous ces abonnements, beaucoup de commentaires aussi. J'ai reçu des commentaires sur des choses que j'avais déjà faites. Mais c'est pas grave, continuez, c'est super, j'adore répondre, j'adore... Ça montre qu'on vit l'aventure tous ensemble, que même si vous n'avez pas vu ces vidéos-là encore, où je suis un petit peu plus loin, hyper content qu'on puisse vivre cette aventure tous ensemble. Donc, on s'était quitté la dernière fois au cœur de la fosse Bobo, et en faisant le montage de la vidéo de l'épisode 20, et ben en faisant le montage, je vais pas faire le malin, je me suis aperçu que là, il y avait des symboles, et que là aussi, sur les statues, vous voyez, sur le socle de la statue, il y a aussi le symbole. C'est pas le même, mais ce symbole-là, qui est ici, là, il correspond au symbole de l'autre statue de là-bas, donc on va ramener les statues à leur place. Allez, Baldo, un dernier effort. Allez, impeccable. Et j'espère que ça va vraiment faire quelque chose. Oui. Alors. Ah, ça a ouvert ça. J'avais même pas vu. Et du coup, on coupe le vent. Nickel. C'est chronométré. Non, c'est pas chronométré, c'est parfait. Alors, du coup. Ah, il faut jeter un truc. Ok. Bon, on va prendre un coup, ça économisera une orbe. Ah, il y a un autre symbole là-bas. Ah, il y a peut-être encore autre chose à faire. Du coup, on jette le pot, on remet le vent, on chope ce coffre. Des orbes. Ah, je suis dégoûté. Ah ouais, je pensais que ça allait faire un truc de fou. Ça a fait un truc un peu pas trop mal, mais c'était pas un truc de fou. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Plein de salles. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus les salles, ce qu'il y a dedans. Donc on va refaire un petit peu le tour. Ah ouais, ici j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors est-ce qu'on y arrive par un autre endroit? Ce qui serait pas impossible. Regarde, il y a un truc là. Ah ouais, il y a le coffre. Ouais, mais ça... À mon avis, là, il nous manque quelque chose. Ça paraît trop simple. Et je crois que c'est dans cette pièce où j'ai pas tout compris. On n'a pas tout compris dans ça. Ah, si, ça a éteint le... Ah, comme on a coupé le vent, ça a coupé le vent de partout. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est bon, ça. Ah ouais, du coup, on pourra remettre le vent à notre volonté, à notre guise. Celui-là, il est break, comme on dit. Oh, vous croyez qu'il y a un truc à faire, là, avec ça? Parce que celle-ci, on l'a pas allumée, du coup, l'autre fois. Oh, j'en sais rien. Écoutez, on va continuer, on verra bien si on a raté quelque chose. Bah attendez, du coup, il y a plein d'endroits où on peut aller qu'on n'avait pas fait. Faudrait que je remonte. Des endroits où il n'y a plus de vent. Et ouais, parce que du coup, attendez. Attendez. Là, il y a un bobo. Mais non, mais attendez, il y a une pièce où il y avait du vent et... Oh là là, je vais remonter vite fait. Si. Donc là, il y a bien un truc à faire. Du coup, on va essayer. Là, il y a un coffre. Je sais pas s'il va servir à grand chose. Une potion bleue, super. On est super content. Bon, on est revenu, on l'a fait. Au cas où il y a une clé, parce qu'il y a tellement de trucs bizarres dans ce jeu. Et donc, du coup, oui, j'ai pas le passage rapide du coup. Écoutez, on va redescendre. Allez, on arrive dans cette pièce, donc au troisième étage, a priori. Donc, on va faire le haut. Déjà. Ah, là, il y a un coffre à faire apparaître, messieurs, dames. Quand il y a une estrade comme ça, en général. Donc là, il y a un bobo. Ah, il y a des pierres. Il y a plein de bobos. Il y a plein de bobos. Ah oui, il y en a 3, 4... Il y en a plein. Je suis coincé. Voilà, ça y est, j'y arrive. J'arrive, mes amis bobos. Prenez le temps. Ne soyez pas pressés de mourir. Il y en a beaucoup. Il
Non, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'arrive, j'arrive. Pas de panique, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a a priori... Ouais, je pense que... On voit, mais je vous montre à l'écran avec mon doigt, mais vous voyez pas, vous. On aurait dit que sous une statue de Bobo, il fallait mettre la pierre qu'on a vu un... Oh, non! Pourquoi tu viens m'embêter, toi? Bon, celui-là, on l'a eu. Non, on l'a pas eu? Merde. Non, non, mais... Viens, petite canette. Voilà, on l'a eu. Ah, mais ils sont trop nombreux. Oh, je t'ai coincé. Non, non, non. Oh là là, j'ai eu la frousse de ma vie. Oh, un gros bobo comme ça, ça fait peur, hein, je vous le dis. Donc, on a eu les bobos. Bonne ou mauvaise idée, l'avenir décidera. Du coup. Oh, j'ai cassé un pot, je l'avais même pas vu. Bon, alors, il y a cette pierre, et je pense que cette pierre, faut la mettre là. D'accord. Coupons l'herbe. Ah ouais, d'accord, ok, c'est ce genre d'énigme. Alors... Donc ça, c'est fabuleux. A priori, j'ai bon. C'est bon, on peut rattraper. Hop. Ah, mais elle est bloquée ici. Ah, ça change tout. Moi, je croyais qu'elle allait jusqu'en bas. Ah ouais. Mais attendez, il y a ça. Ouais, ça, ça change tout, j'avais pas vu. Et voilà. On y est arrivé. Impeccable. Donc le coffre en haut, comme prévu. Mais la porte est ouverte de toute façon. Donc, bien faire les salles à fond. Et une clé, ben, on a bien fait de faire ça. Du coup, parce qu'on a eu une clé. Et on avait... C'est dommage, on peut pas se balader à travers les étages dans le clan. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Voilà. Hop, allez, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Et on arrive donc au troisième étage. Ok, donc... ça, ça fait quoi, ça? Ok. Ah ouais, mais là, il y a un blème. On peut pas passer là-haut. Et on peut pas passer ici non plus. Ok, donc le pot, il sert à ça. Alors, où va-t-on? Ah, il nous emmène ici. De toute façon, quoi qu'il se passe. Et d'ici, on peut aller là. On peut aller là. Et est-ce qu'on peut aller à la... J'imagine qu'il y a une quatrième salle, comme à chaque étage. Et on peut aller là. Alors, quelle salle va-t-on faire? Est-ce qu'on fait... Allez, celle de droite, comme d'habitude. On commence de là-bas. Je crois qu'on a commencé comme ça dans tous les étages. Ou alors je dis n'importe quoi. Mais là, je le sentais bien comme ça, donc... ben voilà. Donc à chaque fois que je sens bien une salle, donc ça, elle est dans le noir. Oula, ben là, j'ai eu de la chance, vous voyez. Parce que j'avais pas vu la tentacule. Dans le noir, c'est horrible, hein, je vous le dis. Alors, où c'est qu'il s'en cache une autre? Ça fait une grande pièce? Non, ça fait une petite pièce. Attendez, là je vois un truc. Ah, j'ai vu trop tard, j'ai vu une ombre. Où est-elle? Oh là là, on va mourir. On va mourir. Prenons des petites choses. Ah, oh, je la vois, je la vois. Ouais, je t'ai vu. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de chercher une torche? Voilà, nickel, impeccable. Oh, regardez. Une magnifique petite torche. Et voilà, tout de suite, les choses deviennent beaucoup plus easy.
Là, j'ai eu un peu de chance parce que je m'étais mis un peu trop loin. Oh, didindi. Ah, on peut pas passer. Donc, comment fait-on? On arrive d'ailleurs, sans doute. Sans doute. Non, là on a fait. Allez, faisons la salle d'en face. Et par contre, les plateformes sont pas larges. Je fais le foufou à courir. Et vous connaissez comment je suis trop naze. Ah, là, faut faire attention, il y a du vent. Il y a du vent! Il peut souffler à n'importe quel moment. Une belle tête de bobo. Donc ça, pif, paf, pouf. Ah, qu'il faut jeter un truc dans sa bouche. Ou une bombe. Faut que je me mette trop près. Bon, du coup, c'était pas une bonne idée. Non, mais écoutez, on va pas faire ça. Hein. On va pas faire les foufous. C'est étonnant quand même. On va passer par l'autre salle. On va voir si on peut rejoindre. Pour l'instant, on est bloqué. Oh, on l'avait pas vu celui-là. Comme d'habitude, à la recherche d'une torche. Attendez, c'est un carré. Une porte fermée à clé. Oh là là, je l'ai vu trop tard. Tout ça pour un dindi. Je suis vraiment un rapace. Alors, on l'a eu. Alors, avant de traverser... Quand vous entendez le bruit, c'est trop tard. Ouh, je t'ai vu, je vous ai vu, mais trop tard aussi. Attendez, il était par là, celui-ci. Voilà, c'est là. Allez, ressort, ce sera fait. Voilà. Ah si, il est là. Il me semblait que j'en avais vu un. Je me disais, mais attendez, c'est pas normal. C'est pas normal. Ok, donc ça, ça doit faire venir le copain. Oula, j'ai failli tomber. Donc là, on a la... Oulala, j'ai failli faire un game over. On allume. On sait jamais si ça sert à quelque chose ou pas, donc faut toujours le faire. Et on a débloqué la porte là-bas. Écoutez, cette porte m'intrigue. Et en fait, j'ai qu'à faire ça. Voilà. Allez, voilà. On avance, on avance. Ah, on remonte. Ça, c'est intéressant. Alors. Oula, c'était un passage rapide, ça? Qu'est-ce que c'était? Ah oui, non, mais il m'attendait à la comité d'accueil. Les trois cafards et... Les trois cafards et le méchant qui tire des cailloux. Attendez, on est revenu ici? Ou c'est pas la même salle? Attendez, mais c'était bloqué. Ah oui, mais d'accord. Ça y est. Oula, il a failli me shooter, lui. Attendez, mais ça doit avoir un intérêt de revenir ici. C'est qu'à mon avis, la salle d'après, il faut remettre... Non, mais attendez, on s'est fait... Comment on dit? Niqué? Bien, nous revoilà devant cette porte. Où on s'est fait gruger tout à l'heure, parce qu'on est passé de l'autre côté, on est passé, vous voyez, là où il y a la porte rouge. On est passé en haut, donc on est remonté, mais on s'est fait gruger, ça s'est refermé derrière nous. Donc, on utilise notre clé et on poursuit l'aventure dans cet étage. Alors déjà... Il y a des trucs pas très sympas. Voilà, on s'en occupe. Des orbes. Ça, c'est toujours bien, les orbes. Et on va pouvoir passer sur des feuilles. Alors, il y a l'air d'y avoir déjà un escalier qui monte.
On va prendre cet escalier. Alors, ça a l'air de faire des passerelles, des machins. Ok, ok, donc... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, ça a l'air de traverser ici. Ah ouais, du coup, il va falloir remettre le vent. Bah, c'est bien ça. Oh, on s'est tapé le voyage pour rien. D'accord, on s'était fait gruger, mais en fait, c'était nécessaire. On s'est grugé tout seul. Du coup, il va falloir... Ah bah, c'était pas inutile de tuer tout le monde, du coup. Mais on peut continuer, mais on va... Ah oui, si je veux le coffre, du coup, il faut que... Ouais, ok. Bon, écoutez, on va faire une grosse ellipse, parce qu'on va remonter encore une fois. Bien, nous revoilà dans cette pièce, où on a mis le vent en route. Hop. Alors, on va choper d'abord le coffre. Superbe. Une potion rouge, et ça... Oh, c'est incroyable, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites du coup. Oh là là, faut que je retrouve les salles où il y avait des choses. Ah ouais, il y a la salle de tout à l'heure là où j'y suis allé. Oh, c'était laquelle? Ça se trouve c'était ici, je ne sais plus. Ouais, c'est possible. Déjà, il y a le vent. Ah ouais, regardez. Hyper stylé. Ça, c'est génial ça. Du coup, on peut passer. Vous avez vu là les deux symboles sur les côtés? En haut à gauche une tête de bobo et là-bas en bas à droite. Donc à mon avis il va y avoir des cases à... Allez, on continue dans cet étage. Il est incroyable ce donjon. Ah, on descend. Et où c'est qu'on descend? On n'est jamais descendu comme ça. Ouais, mais c'est un autre étage ça. Donc on va pas le faire tout de suite. Ok, très bien. Mais j'ai l'impression de rater plein de choses en fait. Donc on a mis en route le machin. Et ça se trouve, on va monter encore. Hein. Non, on descend. Comme le truc d'à côté. Bon, bah du coup, comme on est descendu de partout maintenant... Alors attendez. Bon, une fois qu'on nous emmène tout de suite à l'entrée... Donc ça, c'est un ascenseur. Qu'est-ce qui m'attend ici? C'est bizarre! Oh, ça me surprend. Ah, du coup, faut que je prenne ce pot. Je pourrais prendre une bombe, mais... Mais bon, économisons nos orbes. Mais où va-t-on? Un petit sac de poussière. Ah, je suis sans voix. Parce que si là je saute, je meurs ou pas? Vous en pensez quoi, vous? Je pense que c'est fait pour quand même. Ouais, c'est fait pour. C'est vrai qu'on l'avait eu. Alors, faut que je mette. Déjà ça. Un symbole d'œil. Donc lui il va pas dessus déjà. Ah mais lui il va ailleurs. Oh, c'est incroyable. Mais ce donjon est incroyable. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? Je n'ai pas compris ce qu'on avait fait. Ah, on a débloqué ça. Ah, et ça, ça nous aide à mettre la boule là-bas. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok. Ça y est, je viens de comprendre. Et laissez-moi le temps. Et ce donjon promet d'être méga long. C'est pas ultra compliqué, à vrai dire.
pensais qu'on allait en chier un petit peu plus dans ce monde. Et ça ouvre la porte. Ok, très bien. Donc là, on est dans un nouvel étage, hein, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on remonte un peu? Je sais pas du tout. Là, je suis perdu dans ce donjon. Alors... Donc c'était important de mettre le vent. Un petit sac de poussière. Depuis tout à l'heure, là, il y a une musique... Alors pareil, là, j'imagine qu'il y a plein de portes. À quoi sert ce pot? Ah, là, il faut la clé. Ah non. Là-bas aussi, il y a un symbole. Bon, écoutez, on va faire celle-ci. On va pas trop chicaner. Ah, on a débloqué quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Oula, il y a beaucoup de choses à faire et on n'a pas la clé. Très bien. De toute façon, on n'a pas défait la grille. Donc, faut pousser cette statue et la mettre en bas sur le gros bouton que vous voyez en contrebas. Là où il y a le symbole de l'œil. Attendez, j'ai pas envie de tomber, donc on va pas faire le foufou. De toute façon, on n'a pas la clé, donc... Ok, ça a poussé le machin, ça a ouvert la grille, mais on n'a toujours pas la clé. Ok, donc ça c'est nickel, mais ça c'est fait. Admettons, ça c'est fait. Mais on est un étage plus bas et... Donc là, bah, on peut pas y aller. Attendez, on vient d'où? De là. Ne fais pas n'importe quoi, Baldo. Comment ça? Oula. Et là-bas, c'est pareil, on peut passer. Ok, donc déjà, on va s'occuper des tentacules. C'est très important de d'abord s'occuper des tentacules. Oh, j'ai cru qu'elle était morte, comme j'ai vu disparaître et réapparaître. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand-chose, a priori. C'est juste à traverser comme ça, ça? Si on tue les quatre. Attends, on essaye, hein. Ok, donc ça déblo... Ah oui, parce que la porte, ça a été rebloquée. Très bien. Donc là, c'est définitivement débloqué. Et on sait qu'on atterrit. Pas de torche.
combien de fois on va mourir ici? Beaucoup trop souvent à mon goût. Ok, donc là, ça passe. Ah ouais, mais faut pas toucher du tout, d'accord. Ok, très bien. Donc maintenant, on le saura. Et le donjon promet d'être extrêmement long. Hein. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais longtemps. J'avais cru voir un truc, mais non. Je suis trop mauvais. Je l'ai vu, et puis je me suis dit, non, mais c'est bon, ça passe. Et puis, en fait, non, ça passait pas du tout. On franchit cette salle. Et on atterrit donc ici. Attendez, mais là-haut, on l'a pas fait? Oui, mais j'ai pas de clé, donc... Non, mais il y a une salle où on est descendu et on n'est pas descendu, en fait. Je sais plus où c'était. Oh là. Je suis perdu, perdu. Ah ouais, ok. Donc là, on n'est jamais venu. Très bien. Mais si, on est venu. Oh, va falloir refaire le tour. C'est catastrophique. Oh là là, mais quelle galère. Il va y avoir un paquet de cuts, hein, je vous le dis. J'espère qu'il me remonte là où on était. Et qu'il m'emmène pas à un étage je ne sais trop où. Oh là, on redescend, mais quel cata. C'est incroyable. Je pense que c'est pour une clé quand même. Faites-moi pas le coup, hein. Oh non! Oh non! Non, ne me faites pas ça. Mais c'est horrible! Vous êtes horrible! Mais on a toujours pas de clé. Et il y a la salle de là-bas qu'on n'a pas faite. Ok. On va faire celle-ci. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Parfait, parfait. Alors. Déjà, il fait jour, déjà. Ça, déjà, ça me rassure. Ça, on fait deux. Et la troisième devrait arriver. Voilà. Elles m'ont rien lâché, aucune d'entre elles. Donc un coffre avec la clé, bien évidemment. Hein, sinon, voilà, une clé, fabuleux, fabulous, fabulous. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on essaye de me montrer? Hop, 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 hop. Donc, de l'autre côté, on va aller voir notre pote à la clé. Parce que nous, on est arrivé par où, déjà? Par la pièce d'en bas, ouais. Ouais, c'est plus ou moins standard, ça, maintenant. Fausse des bobos. Mais, en tous les cas, il est passionnant, le donjon. Je vous garantis... je sais pas à regarder, mais à jouer, c'est incroyable. J'adore ce donjon. Ah, je sais pas si c'est le meilleur qu'on a fait pour l'instant, mais c'est pas le plus mauvais. Ça, c'est certain. Là, on a tout débloqué, parce qu'on est, les meilleurs, hein, faut le dire. De temps en temps, il faut savoir le reconnaître. Alors. Et là, une porte fermée à clé, et on n'a pas de clé. Donc, je pense savoir où c'est, mais maintenant, faut que je retrouve cet escalier. Hop. Ah, ici, on n'est pas venu. Voilà, c'est ça. Donc, on est arrivé dans la bonne salle. Donc, il faut tourner les... Ouh.
faut tourner les leviers comme il faut. Et qu'il faut tout ce qui regarde vers le centre. Écoutez, on va continuer notre route. Très compliqué. Ouais, mais le silo. Ouais, c'était le truc que je voulais faire. Ouais, mais c'est là qu'il faut prendre la clé. Attendez, il y a un truc là. Ouais, il y a ce bobo en haut à gauche et en haut à droite. Et en bas à droite. C'est étonnant. C'est étonnant. Comment il faut tourner ces machins? Putain, c'est une bonne question, ça. On n'a pas d'indice. Un indice à quelque part, là. Faut y faire au petit bonheur la chance. Ouais, parce qu'en plus, là, c'est bloqué. Et là, il en manque un, mais je pense que c'est volontaire. Qu'est-ce que ce bazar? Ah ouais, je peux pas passer, là. Si j'essayais de faire comme ça, là, tac, tac. Vous voyez, le truc est pareil dans l'autre sens. Ça doit faire... Ok, donc c'est pas ça. Ouh ! Alors là, je vais pas vous mentir, ça doit faire au moins une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis dessus. Et ouais, et ben c'est le bonheur, c'est la chance. Donc regardez bien, je vous laisse la solution, parce que j'ai trouvé au pifomètre. J'ai plus que ça à faire de toute façon dans le truc. Alors regardez, vous mettez ces trois là comme ça, là qui regardent vers le centre, et celui-là qui regarde en face. Et les deux qui regardent droit devant. Voilà, les deux statues. Donc, ok, et ben je suis content. Parce que franchement, pour la première fois depuis le début du jeu, j'ai failli aller regarder sur le net une solution. Et je suis dégoûté. Parce que j'ai pas de clé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il doit me manquer une clé à quelque part. Bon, on se retrouve ici dans cette pièce parce que ça fait... Attendez, je regarde l'heure. Ouais, ça fait pas loin d'une demi-heure que je tourne dans le donjon. Parce qu'il y a une porte avec une clé que je peux pas ouvrir. Et voilà. J'espère que c'est ici parce que j'avais pas vu... Ce socle, vous le voyez, avec cette pierre fissurée. Et je me suis téléporté en dehors du donjon. Ben voilà, un coffre apparaît. Je me suis téléporté en haut du donjon. Enfin, ouais, en haut. Et parce que je trouvais plus. Je me ré-téléporte, je me dis putain. Et magnifique, enfin une clé. C'est pas ici. Ah voilà, ça y est, je suis content. Je peux continuer mon donjon. Parce qu'il reste 7 portes et la cinquième porte qui est tout en bas. Oh là 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 là, ne vous énervez pas! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là là, j'ai failli mourir. Attendez. Encore des plaques? Ouais, il y en avait encore une. Bon, là, ça doit être bon. Alors... Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces deux bobos? Les intervertir? Attendez, lui, il regarde par là. Et lui aussi. Il regarde dans le même sens, déjà. Ah, il y en a un en haut à gauche et l'autre en bas à droite. Vous croyez que c'est là? Les symboles qu'on voyait tout à l'heure? Alors, attendez. Et l'autre, là-bas? Ça serait ça. Ou c'était l'inverse, je sais plus. Oh, c'est ça, c'est fabuleux! C'est fabuleux! Et une clé, encore une clé. Donc on a récupéré une clé pour récupérer notre clé. Ok, donc on est super content. Et donc maintenant, faut qu'on descende tout en bas du coup. Bon, et bien nous revoilà en bas. Donc, on est là. Je suis fou de courir. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme ça? Toutes? Non, on les a toutes faites. Donc là, il y avait une clé et on descendait encore? Je me souviens même pas. Ah oui, ça on l'a fait. On a traversé. Et c'est là qu'on était bloqué. Ok, très bien. Mais maintenant on a une clé, donc on peut passer. Donc on a fait toutes les salles. Parfait. Ah, ça sent la merde. Et on n'a pas la clé triangulaire.
Il me faut quelqu'un ou quelque chose là. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il y a un truc louche à faire. Est-ce que j'ai pas tout ce qu'il faut? Alors dites-moi pas qu'il me faut quelque chose que j'ai pas. Oh, je suis dégoûté là. Non mais là c'est la clé triangulaire là qui ouvre. Y a rien de plus à faire. On a raté quelque chose encore? Putain, on a tout fait, je comprends pas. Non, on n'a pas... Ah ouais, on n'a pas chopé le coffre rouge. On l'attrape ce coffre rouge d'ailleurs. Alors on se retrouve dans cette salle où... Ben... j'ai honte de moi, je vous avoue. J'ai fouillé, je me suis dit mais qu'est-ce que t'as oublié? Pourquoi est-ce que t'es bloqué? Ben dans cette salle là, il y a une porte où... Ben je suis pas allé, tout simplement. Je suis jamais venu ici. C'est fabuleux. Non mais je suis trop fort. Je suis jamais venu. Donc je ne suis pas... Donc j'ai carrément raté une porte. Et ben voilà, c'est l'endroit où il y a le coffre. Et je suis trop fort. Je pense que c'est là où ça va nous mener au coffre rouge. À la clé triangulaire. Non mais... Honnêtement, j'ai super honte de moi. Alors déjà, il y a ça. Ah bah on trouve encore une clé. Donc on a un max de clés. Et donc je suppose qu'on va arriver... Ah d'accord, ok. Ok, mais là il n'y a rien de dramatique. Je pense qu'on va tuer toutes les tentacules. Ah bah on va pas toutes les tuer, non. Ouh là là là, je suis de bonne humeur parce que je me suis dit, bon, quelle erreur de débutant, quoi. Ouh là là, encore une erreur de débutant. On va tuer toutes les tentacules. On va pas casser les pots parce que, comme d'habitude, ça peut servir. Ouais, je pense qu'il faut tuer toutes les tentacules. Allez, René. René, voilà. Et on débloque la porte. Ok, rien de plus, rien de moins. Très bien. Donc on a une clé. Je suppose qu'on va, au bout d'un moment, on va arriver... Ah, on va peut-être remonter à travers tous les étages. Pour arriver enfin à notre coffre. Eh ben, le voilà. Eh ben, ça aura pas été sans mal. Je vous garantis que j'y ai passé du temps. Et je suis hyper content d'y arriver. Allez. On est parti pour la miniature. Non, ça sera le boss, la miniature. La clé du hibou triangulaire. Ah, sérieux? Ça ouvre une porte dans le coin? Allez, nous revoilà dans le corridor qui mène à la pièce. Est-ce qu'on se préparerait pas à un combat de boss? Si, si, on se prépare à un combat de boss. Mais attendez, on a encore une clé, donc je pense que le donjon n'est pas fini, en fait. En fait, j'aurais pas dû me préparer comme ça. Hop, alors, qu'est-ce qui nous attend? Ah si, 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 un boss. Ah non, c'est pas un boss. Il me semblait que ça on en avait déjà battu. Attendez, alors est-ce qu'il faut pas le jeter à la bombe celui-ci? Si, c'est ça. Aïe aïe aïe, laissez-moi m'en aller. Ouf. Elles sont un petit peu loin. Ah, c'était pas le bon. Ouais, là par contre. Je pense que je fais n'importe quoi surtout. Hop. Ouais, puis je me laisse bien frapper quoi. Mais appuie sur ce bouton pour sortir ta bombe. Ça sera plus simple. Non, non, tu... Ah ouais, mais parce que je suis pas équipé d'une bombe tout simplement. Pour ça que j'avais l'impression. Bon, on a failli pas l'avoir. Et voilà, donc deux leviers. Donc dans quel sens les tourner?
Voilà, bah c'était comme ça, tout simplement. Et le globe du sage a été découvert dans les profondeurs de la fosse. C'est l'un des trois objets dont tu as besoin pour ouvrir le temple perdu des gardiens au milieu du désert de Marui. Non mais attendez, vous moquez de moi, c'est tout? Non mais attendez, j'ai encore une clé pour ce donjon. Non mais j'ai ouvert toutes les portes, on est d'accord? La dernière fois aussi, je croyais que j'avais ouvert toutes les portes. Mais attendez, là je suis perplexe. Je suis complètement perplexe. Non mais j'ai fini le donjon ou je l'ai pas fini? Eh ben écoutez, j'ai l'impression que on a fait ce qu'on avait à faire. Donc on va continuer notre route. On va se retrouver dans la forêt de Bobo. Eh ben écoutez, il était génial ce temple, ça manquait d'un boss. Mais c'était génial. Hein. Là, je sais pas. Ouais, Flora, par contre, elle devrait être là. Ah, mais Flora, attendez. Elle peut prendre sa forme que la nuit. C'est bien, il faut venir la nuit. Et ben voilà, donc ça a été un épisode assez riche. On a donc fait la fosse des bobos. Et c'était génial. Incroyable. Ça valait le détour. J'ai adoré ce temple. Il était un peu long. Pas mal d'allers-retours. Vous pouvez galérer sur un ou deux trucs. Si vous le faites sans aide extérieure, comme j'ai fait. Enfin, très compliqué, non, mais il y a des trucs qu'on voit pas forcément. Le seul truc qui m'a un petit peu ennuyé, c'est qu'on fait pas mal d'allers-retours, mais c'était sympa quand même. J'ai bien aimé les énigmes et tout, c'était assez assez compliqué et assez facile en même temps. Enfin bon, si on réfléchit un petit peu, on trouve. On verra ce qu'on fera la prochaine fois, parce que j'ai pas l'impression que le patch soit encore arrivé. On verra s'il arrive. Sinon, j'ai plein de choses à faire. J'ai le bâton du vent, tout ça. On peut passer à la bibliothèque, chercher des trucs. Il y a plein de choses à faire. Le désert de Marui à visiter. Enfin, on verra tout ce qu'on peut faire. En tous les cas, si vous aimez le jeu, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Ça fait plaisir, j'adore en ce moment. Il y a plein de nouveaux sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux à suivre l'aventure Baldo. J'aime la partager avec vous, c'est génial. Vraiment, je suis super content parce que ce jeu le mérite. On va faire Eastward qui sort aujourd'hui. On va le faire sur la chaîne aussi. Un autre petit jeu indépendant qui sort sur le eShop. Il coûte 20-25 euros, je ne sais pas exactement, on le fera. Donc du coup, on va se revoir très vite pour la suite, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous, et à bientôt les amis.